À chaque fois que je la filme, elle est freaking cute. Ouais. Mais vraiment désagréable. C'est pas toujours la même. Non. Donc, on s'en va. Ah, oh. Oh, c'est ça, tu montes ta vraie nature. Là. Donc, on s'en va au resto pour la première fois depuis je sais pas quand. 1992. On était même pas nés. Non, depuis un bon bout. Puis, on réalise que c'est la première fois qu'on y va avec Sophia à cet âge-là. À cet âge terrible. Donc, on va voir. Ça, c'est un bar dégueulasse. Toi, t'es clairement parental, puis tu prends pas soin de toi. Je me néglige, comme quelqu'un dirait. Tu te négliges. Sauf que j'ai perdu 21 livres. Oui! Ouais, c'est ça. Ouais, mais pas de ce côté-là. Mais ouais, Thomas, j'ai perdu 21 livres. Je suis vraiment fière de lui. Alors, c'est ça. On va vous donner des nouvelles sur comment ça a été. À plus. Dis bye, Sophia. Juste sa petite main. On est sauvé de la musique. Est-ce que tu danses, Sophia? Wow! Regarde les lumières. Danse. Ça va le faire? Allô tout le monde! Donc aujourd'hui je vous retrouve dans notre... Oui! Tu veux-tu parler? Donc je vous retrouve dans notre sous-sol. J'ai pas vraiment beaucoup filmé ici parce que ben c'est l'air. Mais je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi je suis ici. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog, mais j'avais une idée de faire comme une recette avec Sophia, puis de filmer ça, puis que ça soit le vlog. Mais Sophia était vraiment pas coopérative. Tu veux venir voir? Oh! Dis bonjour! Tu dis allô? Dis allô! Allô! Fait que je vais vous montrer, là, j'ai quand même filmé des petits bouts, là, mais c'est ça, ça a pas vraiment été comme j'avais prévu, fait que j'étais comme, ok, non, ça sera pas ça, mais... Non, on crie pas! Allô tout le monde! Aujourd'hui, avec... Je parle avec elle. Sophia, là! Ok. Alors? Maman va mettre la farine, puis tu vas la mettre dedans, ok? Mets-le dedans. Ok. Ouais, c'est cool, hein, jouer dans la farine. Sophia. Qui a pété? Oh non, mon cœur. Est-ce que tu dis du bicarbonate? Maman. Dedans. Tu brasses avec tes mains. Donc... Non. Cogne. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu mets dans ta bouche? Là, on met un petit peu de vanille. Est-ce que tu peux sentir ça? Non, goûte pas ça. Mets pas dans la bouche, ok? Non. Dedans les biscuits? Non. Chante. Everybody clap. There is no sleep. Shh, shh, shh.
Bon ben j'ai perdu ma partner, fait qu'à guess que je vais finir tout ça. Mais là, il fallait que je trouve autre chose à faire. Donc aujourd'hui, ben je vais vous annoncer une petite nouvelle vraiment excitante. T'as quoi, t'es dans le chemin, bébé? Eh bien, cette nouvelle, c'est que, eh bien, on retourne au Québec! Oui! Parce que pour ceux qui ne le savent pas, on est présentement en Alberta. Oui. Moi, ça va faire 3 ans que je suis ici cet été. Puis Thomas, ça va faire 5-6 ans qu'il est ici. Puis c'est ça, c'était jamais notre plan de rester ici à temps plein. Mais c'est ça, il y a une occasion qui s'est présentée au travail de Thomas. Puis bien, il se fait poster au Québec. Donc cet été, on va déménager. On va revenir proche de la famille et des amis. Donc on est super, 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 super excités, super contents. Donc c'est ça la nouvelle. Enfin, je suis vraiment heureuse, honnêtement. Quoique, j'ai appris à aimer beaucoup l'Alberta, puis on s'est vraiment attaché à ici. Je me suis fait des super bonnes amies que je vais garder malgré le fait qu'on déménage, mais c'est sûr, c'est plat de l'équité. On a réussi à se faire une maison ici, puis de faire comme chez nous. Par contre, notre cœur appartient au Québec. Puis ça, il n'y a rien qui va changer ça, puis on est juste vraiment heureux de retourner. Même si ça ne veut pas dire qu'on va rester là pour toujours, on va rester dans l'Est, ça c'est certain. Donc... c'est une grosse étape dans notre vie, on est vraiment super contents. Mais avec ça arrive aussi le déménagement très précoce qui va être cet été. Donc on est mi-mars, puis on devrait déménager autour du mois de juin environ, là, tout dépendant de ce qui va se passer. Mais là, fait que là on est dans les gros préparatifs à essayer de démêler un peu qu'est-ce qu'on doit faire, si... est-ce qu'on va s'acheter une maison? C'est comme le pire moment de la vie pour s'acheter une maison. Mais c'est ça, on est en train de regarder ça, voir si c'est une possibilité. Sinon, est-ce qu'on va louer une maison sur la base? Blablabla. Il y a plein de choses à voir. Mais on peut commencer à se préparer parce que c'est officiel. Donc, c'est sûr que ça va se donner. Puis, ce qui est chouette avec l'armée, c'est qu'ils t'aident vraiment beaucoup là, pour tout ce qui est de déménagement puis tout ça. C'est eux qui vont pacter, tout, ils vont déménager. Mais je me suis dit que je pourrais quand même commencer à faire des petites boîtes de choses qu'on n'utilise pas, juste pour avoir un peu l'esprit plus clair, savoir qu'est-ce qu'on a, se débarrasser de choses dont on n'a pas besoin. Et puis la première chose que je voulais faire, ça serait de faire des boîtes de livres pour enfants, mais qui sont un peu trop pour plus vieux que ce que Sophia lit présentement. Donc tu sais, déjà ça peut être fait, tu sais, ça prend de la place présentement comment c'est fait, donc je pensais faire des boîtes de ça. Alors c'est ça, je voulais juste vous annoncer la belle nouvelle. Je suis vraiment, vraiment très contente. Mais en fait, on est vraiment très contents, puis on a super hâte de revenir plus proche. Alors c'est parti, je commence les boîtes. Alors pour vous donner une idée un peu de ce qu'on a, on n'a jamais vraiment fait le ménage là-dedans. C'est ma directrice dans l'école que j'ai travaillé il y a 2 ans, qui, lorsque j'ai eu Sophia, bébé, est arrivée avec comme 4 grosses boîtes de livres qu'elle avait pour ses garçons. C'est un mélange de livres... un mélange de livres en anglais et en français. Donc, c'est vraiment chouette. Il y en avait beaucoup pour bébé, mais présentement, elle les a. Puis ça, c'est vraiment plus pour grand. Fait que ça fait vraiment une bonne base pour nos livres d'enfants. Alors, c'est ça. Je vais essayer de mettre ça dans une boîte puis fermer ça. Oh, mais t'es belle! Oh, 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 oh. J'ai pas juste fait des boîtes, mais j'ai reclassé. J'ai fait une boîte, puis je les ai replacées pour faire une boîte de moins. Fait qu'il y a 4 trucs plutôt que 5. Ouais. Puis dans le fond, j'ai juste réalisé. Ben, pas j'ai réalisé, mais il va y avoir des déménageurs qui vont faire nos boîtes.
Fait que je sais pas pourquoi ça me tentait de faire des boîtes. Là, ça me tente plus. Fait que je vais laisser ça de même. Puis, ben le reste, ça va être fait par eux. Je vais faire du ménage éventuellement, mais j'ai pas besoin de faire de boîtes. Fait que, c'est ça. Je sais pas combien de temps ça va durer, ce vlog-là. Puis c'est un peu n'importe quoi, là, mais je vais revenir dans le rythme éventuellement bientôt. Si j'essaie de m'adapter à ma nouvelle vie avec deux enfants. Aujourd'hui, je voulais vous annoncer cette belle nouvelle-là, qu'on déménageait et qu'on revenait au Québec. Donc, c'est ça. C'était le but principal du vlog d'aujourd'hui. Sur ce, je vais vous laisser. Puis nous, on se revoit la prochaine fois. Bye bye! Bye. Est-ce que tu dis « je t'aime »? « Est-ce que tu dis « patate »? « Patate ». Est-ce que tu dis « banane »? « Banane ». « Ananas ». « Ananas ». Dis « I love you ». I love you ».« I love you ». Non. Oh. C'est une grosse flaque d'eau, ça.